C'est plus fini. C'est quoi lui? Bonjour, croyez là. Tu sais comment écrire le. Ouais, j'ai capté. Je suis chaos, je vous jure. Normal, c'est important. Je suis dans le 27. Un peu s'il va trop trop énervé déjà là. Là, j'ai vraiment rien à faire. Là, je suis à ma pause. Je reprends le taf dans une heure et demie. Là les gars, il est 18h45, je commence à 19h, mon frère il va me déposer. Il veut pas me laisser conduire, wesh, s'il vous plaît, dites-le que moi je suis misère de conduite, hein. Moi je sais conduire. Avant quand je regardais les boîtes de vitesse, je comprenais rien. Maintenant je fais froum broum. Mets la première, broum. Mets la troisième, broum, freine, broum, bam bam. Tu vas au cinéma ou quoi? C'est Abdi, hein. Regardez Spider-Man. Tu veux quoi lui? Bon, pourquoi il est là? Mais au proche, bah, wesh. Bah, wesh. Je suis le frère, hein. Vous allez où? Ah, c'est ton frère, hein. Regardez-moi des gaines. Et en tout ça, j'ai mon cargo. Comment déceler les menteurs? Sinon je pars tout seul tellement je suis fou. Menteur! Vous dites que je suis un menteur. Et je l'ai jamais été et jamais je le saurai pas. Vous voyez l'état de ma cuisine là? Est-ce que vous voyez l'état de ma cuisine? Eh ben regardez maintenant. Regardez les gars, restez branchés. Regardez donc. Là, je dois aller dans le fond du 7-7 pour un petit projet avec Richard. Il y aura Chilo, il y aura Merwan et il y aura des personnes que je connais pas. Ta gueule, j'ai fait des castings. Ouais, mais t'as déjà fait. Il y a Chilo, oh, l'étoile montante. Là, on a l'étoile Merwan. Descendante. Ouais, Marty, je sais pas si tu veux te montrer. Je t'en bats les couilles. Là, les gars, on a un petit projet là. On a un petit projet qu'on essaie de mettre en place. Depuis on est arrivé, il veut que faire des pâtes, on a pas faim. C'est pas le message de Bob, de Hugo. Alors ça va? C'est bien que vous vous revoyez. Bah sinon t'as dit non, tu dois faire une vidéo, ça m'a commencé. Parce que moi pas chanter le film, j'avoue. De début 2022, vas-y Marron, je parle sérieux. Là vous voyez, il y a Marty, bah il y a Chilo. Il y a le mec de l'ombre. La caméra, tu m'appelles Bogota, moi. Ah, Bogota. Je travaille à 19h. Il est 18h30, je suis dans le 77. Hello les gars, il est 6h05. Vous devez vous dire, mais il va où ce chip? C'est pas possible. Ah, suivez-moi, voilà. Contentez-vous de me suivre. Je vous cache pas, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. En fait, au moment où j'allais dormir, je me suis dit, non, si je dors, impossible, je me réveille. Et comme il fallait impérativement que je me réveille, autant ne pas dormir. Donc là, on va où on doit aller. Là, je suis pas encore fatigué. Eh, hey, va manger du caca là au lieu de me parler de conneries à la con. Je viens d'arriver au Airbnb de tout à l'heure. Pourquoi je suis revenu? Déjà de 1, on n'a pas rangé, ouais, c'est un minimum. De 2, je vais essayer de tourner une vidéo ici. De 3, je rentabilise l'argent que j'ai mis. Few moments later. Je sais même pas en quelle langue je peux vous dire, je suis fatigué. Là j'ai 2 heures de conduite, je vous jure, je vais m'évanouir. Je suis à ma 9e heure de conduite. J'en peux plus, je suis chaos, je vous jure. Normal, c'est important. Le volant ça me va trop bien. Eh là les gars, je vous jure, c'est inexplicable. Inexplicable à quel point je suis fatigué. Là je rentre. Je fais rien. Quand je vous dis je fais rien, les gars, je vais pas me laver. Je vais pas. Je dors. Je suis. Combien de fois je vais vous dire je suis comme. J'ai dormi de 19h à 7h. Eh.
quand je vous dis j'étais fatigué. J'étais trop fatigué, je vous jure. Je me sens que je vais être productif là. Trop tard. C'est mort. Comment je me suis réveillé tôt. En plus, sans réveil. Hein. Je me suis réveillé tout seul. C'est pas j'ai bien réveillé tout. Tout seul. Je vais commencer le montage de ce weekly vlog d'abord. Finalement, les gars, petit imprévu. Je dois aller récupérer mon argent à Paris. Il est 8h26. Je vais aller tôt quand même. Comme ça, je peux rentrer et faire ce que je voulais faire. Vu que je travaille à 19h, j'aurai largement le temps. Eh les gars, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais je m'habille plus, je vous jure. Si vous remarquez bien dans mes vlogs ou même dans les snaps que je mets quand je vais à l'école, entre guillemets, it's time to go. Hey, je suis de retour dans la ville. Je suis parti à Asian Express. Ceux qui habitent dans les alentours, Limay, Mantes, Muro, Epône, Poissy, j'en passe. Venez, c'est trop bon. KO, enfin pas KO, juste un petit peu épuisé. J'ai une heure de conduite. Maintenant, je vais aller rembourser mes bottes de chez Bershka. Après, j'ai envie d'aller voir Spider-Man. Et là, c'est le drame. Les gars, je dors, je me réveille, je suis même pas en Île-de-France. Je suis même pas à Mantes-la-Jolie. Je suis à Gaillon-Ombevoix. Attends, on va voir ça tout de suite, c'est où? Je suis dans le 27. Je suis dans le 27. Voilà, le train pour aller à Mantes-la-Jolie, il est à quelle heure? Il est dans 30 minutes. Putain, tu es moi. Je sens que je suis là. Mais là, il y a un petit peu de temps. Il n'est jamais une heure de vous déposer à Mantes-la-Jolie. Je vais il y a fouille. Je sais même pas qui m'a envoyé. Pourquoi t'es bête? Pourquoi t'aimes trop dormir, mamie? Pourquoi? Oh non, je comprends pas. Il s'agirait de se mettre à jour là, il s'agirait de vivre dans l'air du temps. Il s'agirait de s'adapter au monde, à l'époque. Comment tu me dis c'est 3 euros la carte là où j'ai espèce d'escroc? Je suis le premier youtubeur à gagner au bevo en fait. Je suis le vrai. Yeah! Hey, le titre de sa maman. Vous savez en fait là, vu que je suis pas en Île-de-France, ma carte Navigo ici elle passe pas. Donc si y a un contrôleur là, oui boulot, tu sors de son transport. Ah désolé en fait, je suis pas d'ici, je me suis endormi. Ah bon sommeil. Du coup, par carte ou en espèce? Je vais boire. En plus, la meuf, comme je vous ai dit, les gars, wesh, je lui dis oui, bonjour, du coup, 1 euro. Ah non, la carte, c'est 3 euros, c'est ok. Je prends 3 euros, je prends par un sac. Ah, 10 centimes. Impossible, je pense qu'on est énervé déjà là. Et les gars, comment j'ai la haine? Bien évidemment. Je suis reparti. À la friperie. Bref, là, les gars. Il est temps d'affronter le monde. It's time to go work. Yes. Allô Louis. Les gars, il est 22h50, je viens de terminer. Je vous jure, toute la soirée, j'ai passé qu'à ma caméra. Non, mais, en fait, elle n'est pas cassée. Mais moi, genre, je peux filmer avec, tranquille et tout. Mais le problème, c'est que vous voyez, quand je veux regarder, si je veux mettre le retour caméra pour me voir, bah, bon, là, vous allez pas voir, mais ça pend. Oh non. Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on est vendredi. J'ai 3 heures de conduite. Après je dois aller à la Fnac pour ma caméra. Après je dois aller me coiffer. Allez, ça fait nous invite à faire un repas chez elle. Voilà. Et à Saint-Lazare, il y a toujours une bonne odeur. Genre de gaufre de quoi, je sais pas. Bah je vais goûter, ça a fait 6 ans que je sens cette odeur, j'ai jamais goûté. Linky ni linky, on va aller goûter. Voili voilou, on va goûter les gars, waouh. Les fameuses gaufres de Saint-Lazare. Une gaufre Nutella avec la chantilly, ça a coûté 4,60€, bon c'est un petit peu cher hein, quand même, je vais pas venir manger ici tous les jours, mais voilà. Ça va, c'est pas mal. Franchement, c'est bon, c'est bon. C'est la même texture qu'un les churros. J'ai 3 heures de conduite, mais mon moniteur, il est pas là.
Aujourd'hui, elle a ramené une nouvelle voiture parce que je conduisais une voiture, la voiture elle avait grave des défauts. Eh les gars, j'ai jamais aussi bien conduit. Eh, c'est trop goût. Je partais à la Fnac pour ma caméra, vous savez, ils m'ont dit quoi? Oh non. En mode, ils peuvent rien faire. Ils m'ont dit, faut que je me débrouille pour trouver des vis. Sauf que les gars, encore, tu m'aurais dit, vas-y, je sais pas, c'est une vis, je sais pas moi. Wesh, la vis, elle est minuscule. Joyeux réveillon à ceux qui le font, joyeux Noël à ceux qui le font aussi. Tu le restes, bonne santé, hein. Update les gars, ma caméra elle va bien, l'écran il tient plus, il tient. Donc là je vais à Carrefour pour acheter des Ferrero Rocher, comme ça je viens pas les mains vides au repas de ce soir. Je suis au téléphone avec Leslie. Ma mère elle m'a crié dessus, oh là là, parce que j'ai oublié d'aller acheter la viande, c'est bon. Bref, du coup là voilà les gars. Yim. Un outfit plutôt calme, enfin calme, très très simple. 1h42, ça fait 1 heure que je suis sorti de chez moi. Je suis arrivé chez Anaïs à 20h50. Personne n'est prêt. Carrément, j'ai croisé Anaïs, elle m'a dit on va venir chez moi. Elle est dans la douche là. Anaïs, elle m'a dit venir à 22h30. Donc bon, je sais pas à quelle heure on va manger, mais on va manger, c'est l'essentiel. C'est un pas de quelqu'un, pas de faut taper doucement. Les gars, petit update, je suis arrivé chez Leslie à 21h, il est minuit pile, c'est maintenant qu'on va partir. Hey, black people are very crazy. Jamais. Là on est chez Anaïs, voilà on a fini de manger, bon j'ai pas vlogué parce que je suis timide, il y a sa famille, vous connaissez déjà. Là il y a Leslie, il y a celle qui passe pour son Insta. Tu veux remettre ton Insta? Non, non c'est bon, j'ai trop graillé. Du coup voilà, là on est posé dans la chambre, on fait un petit récapitulatif. Bref, du coup là voilà les gars, ça y est, il est 3h du matin, je rentre chez moi et j'en profite aussi pour mettre fin à ce weekly vlog. Je vous cache pas, j'ai pas du tout commencé le montage finalement, donc je sais même pas à quoi il ressemble. Mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce format de vlog où je vous emmène toujours avec moi même si je fais rien, il vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Prenez soin de vous, j'en ferai de même. Bye! Bye! Bye!